Allez, salut tout le monde, bienvenue sur la vidéo, nouvelle vidéo Cubitime. Comme vous avez pu le voir sur le titre, c'est une nouvelle vidéo, mais nouveau jeu vidéo également. Alors c'est Horizon Chase Turbo, et en fait je vais vous faire quelques vidéos là-dessus. Ça va concerner quelques courses. Je ne démarre pas au premier level parce que j'avais déjà démarré ça il y a quelques semaines, et effectivement c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je me suis dit allez, je vais partager ça avec vous. Le but, c'est de faire des super trophées, donc c'est pas uniquement d'arriver premier aux courses, parce que c'est un jeu de bagnole sauce rétro, hein. Vous avez vu, le graphisme est très à l'ancienne. Le but, c'est d'arriver donc en super trophée, c'est-à-dire récupérer toutes les petites pièces bleues que vous allez voir pendant le trajet, mais c'est aussi d'arriver premier donc à la course et avoir pourquoi pas un bon chrono. Donc le défi il est pas forcément évident, parce que j'arrive maintenant, là on est au niveau 7, enfin monde 7 sur les Émirats Arabes. C'est des courses qui commencent à être un peu chaudes. Donc ça va très vite, les épileptiques, passez votre chemin. Ah, donc là vous allez avoir le côté Palm Island sur la map, donc le monde numéro 7 qui sont les Émirats Arabes. Et ensuite on enchaînera sur d'autres vidéos à chaque fois avec un pack d'une ou deux courses. Bon visionnage et puis bon courage si vous voulez faire ces niveaux là. Ouais, donc là pour les pièces bleues c'est loupé. Ouais, tant pis, ça va faire la... Bon, ça fera quand même une première place, mais ça fait pas... ça fait pas le super trophée. Ouais, donc là vous voyez, il manque quelques pièces. Il va falloir que je refasse le circuit, puis on va essayer de se débrouiller. On va essayer de débloquer tout ça. Yes, voilà, donc toutes les pièces bleues c'est ok. Ok, j'ai géré la première place. Bon, il va falloir que je les rattrape, il en reste deux devant. Hop, plus qu'un. Allez, c'est le moment, ça passe, c'est bon. Et c'est même un super trophée complet, c'est-à-dire qu'il y a les 10 points des petits morceaux du carburant, de l'essence, donc c'est plutôt cool. On va passer sur l'autre circuit, donc qui s'appelle Un Tour, et pour le coup là je l'ai pas encore géré. On va voir ce que ça donne.
Alors là, le problème de ce circuit, comme son nom l'indique, c'est qu'il s'appelle un tour. Donc je l'avais déjà fait, mais je ne l'avais pas validé. Et donc, il n'y a pas de possibilité d'échec. Ouais, donc là la première place c'est atteint, mais pas toutes les pièces, parce qu'il n'y a pas de possibilité de revenir sur les pièces qu'on a loupées, c'est-à-dire que bah, je repasserai pas sur les pièces quoi, donc là je suis obligé de refaire tout le truc. Ouais, non, là c'est loupé. En fait, elles sont quasiment à côté sur la même route. Donc c'est bon, je recommence directement. Là ça devrait passer, j'ai 5 turbos plus que 4. Et voilà, nickel, première place. Et 100% de pièces, ça c'est fait pour le circuit un tour. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez vu que les vidéos sont pas très longues puisque les courses sont ultra rapides. En général, elles se jouent en moins de 3 minutes. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, on se retrouve très vite sur ce type de vidéo avec Horizon Chase Turbo. A très vite et bon jeu.